Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour cette vidéo, on va redescendre un petit peu, on va repasser sur le voltage éclatant avec le coffret Astronel V. C'est un coffret, je trouve, il est quand même pas mal au niveau des couleurs. Je trouve que ça change un petit peu. Vraiment pas mal. Il pète un petit peu, c'est ce qu'il faut. Allez, donc on y va, on commence à l'ouvrir. C'est un coffret classique hein, avec une promo, une jumbo et 4 boosters. Allez, hop, on s'ouvre ça. Voilà. Alors, toc. Bon, bah déjà, si quelqu'un veut le code, il le prenne. Avant que les autres le prennent, ça va vite les codes. Toc. Voilà, donc la carte promotionnelle d'Astronel est pas mal. J'aime bien. Bon, ça va, elle n'est pas abîmée, j'ai cru. Et les petites couleurs, les taches, tout ça, je la trouve bien faite. Voilà. Bon, la jumbo, hein, voilà, on va pas s'attarder dessus. La même, mais en plus grand. Voltage éclatant, clash des rebelles et soleil et lune. Bon, on sait bien, soleil et lune, ça fait un peu monter dans le temps, mais enfin, au bout d'un moment, hein, comme les évolutions qu'on avait en patate un peu partout. Bon, vu le prix des évolutions dernièrement, voilà quoi, mais enfin, bon. Allez, on va commencer par le soleil et lune, par le plus ancien. Bon, il reste quand même des cartes à trouver là-dedans, hein, même si on en a un peu dans tous les coffrets. Ma série n'est pas encore terminée. Allez. Toc. 4 et 2. On est parti. Allez. Hop. Petit focus. Makuhita. Rapace de pique. Larvibule. Mascaillement. Miaouss d'Alola. Une énergie. Spinda. Lily, Ponchien, Reverse Chrysapil, et derrière, Ariyama. Bon, wouhou, la carte qui vole, le téléphone qui se prend un coup, oh là là, pas frais aujourd'hui, hein. Bon, bah en effet, Soleil et Lune, ils peuvent arrêter, hein. Allez, Clash des Rebelles, épée et bouclier, deuxième série. Oh là là. Bon, et puis du coup, ça va être bientôt la sortie de la nouvelle série aussi. Style de combat. Avec l'ours, là, mince. Avec le légendaire de Isole Armure, j'ai oublié le nom. Chifours. Moi, je crois que c'est ça. Nounourson. Nenupio. Caninos. Charbi. Meditica. Énergie. Total Soin. Sonia, Mascadra, Reverse Guido, et derrière, Fenard V, dans la teinte, parfait. Allez, première ultra rare, superbe. Bon, ensuite. Ah, j'ai eu peur qu'elle soit en anglais, la carte. Je voyais polymorphe, machin, caudal. Je me dis mince, c'est pas français. Bon, ça va, c'est français. Bon, je collectionne que le français. Hein. C'est déjà assez compliqué à collectionner. Allez, non, allez, ça rude. On va garder des picas pour la fin. Allez, voltage éclatant. Belle série également, sauf que il n'y a pas eu tant de coffrets, tant de trucs que ça, je trouve, par rapport aux autres séries. Bien dommage. Du coup, ma collection, elle est un petit peu vide. Une collection que je complète principalement avec des échanges, ça. C'est bien dommage. Allez, on y va. Donc, voltage éclatant, allez. Toc. Allez, Granipio. Joli, hein. Petit fond automne, là. Embrochet. Chauve-sourire. Evoli. Evoli, je commence à faire une overdose. Ouais, sur ma chaîne Twitch, vous pouvez voir les éclosions des œufs d'Evoli pour avoir un shiny. Là, aujourd'hui, j'en suis à 1500. J'ai toujours pas de shiny. 9-9. Je veux plus voir Evoli. Énergie. Ténéfix. Picléron. Sinistrail. Et derrière. Oh! Wow! Ah, c'est ma première amazing. Oh, alors du coup, j'ai tout foiré. Bon, bah, ça va. Derrière, c'est des X-Print. On perd pas grand chose. Mais alors là. Superbe, superbe. Superbe carte, c'est ma toute première. Et en plus, quand je vois le prix de combien elles peuvent s'acheter, ces cartes-là, magnifiques. Bien brillantes, on dirait qu'il y a des paillettes et tout.
Vraiment superbe. Ah bah c'est bon déjà. Déjà, je regrette pas d'avoir acheté ce coffret. Ni de l'avoir ouvert d'ailleurs. Allez. Pika. Tu pouvais me porter chance aussi, ça pourrait être bien. Encore une bonne carte. Ça pourrait être sympa, petit Pika. J'essaie de l'ouvrir correctement. Bon voilà, c'est raté, hein. Ils sont très très durs à ouvrir correctement ces boosters-là. C'est toujours un truc, on dirait du chiffon, quoi. Allez. Oh là là, hé. Comment tu ouvres ça correctement? Même les coins se déchirent même pas. Allez, hop, 4, 2, c'est parti. Allez, encore, encore, encore. Moustillon, Mascaïman, Nirondelle, Aspicot, Statitique, mets pas tes doigts dans la prise. Une énergie, Pifeuille, Donna, Nigosier. D'avaler en brochet. Fortress. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a Fortress, c'est la même illustration, quoi, depuis des années. Oh la vache! Et derrière, Darumacho de Galar. Eh ben, c'est une sacrée ouverture, hein. Feunard, Darumacho, Rayquaza. La Astronelle, qui est super belle aussi. Alors là, franchement, coffret du tonnerre. Magnifique, magnifique. Allez. Eh bah, ben, magnifique, ouais, magnifique, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Très beau tableau de chasse pour cette ouverture. Je vous laisse là, je vais aller ranger tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Allez, à la prochaine, salut!